pourrait passer à... Sacré de Birmanie. Ah ouais. Ah! Petite musique d'ambiance. Le rat est énorme. On va repartir dans les égouts. Aïe, aïe, j'arrive au côté. Alors, j'aime bien la porte qui est là. On a fait tout le tour. La porte est juste à côté. Donc ça menait bien au même endroit. Ouais, c'est pas grave. J'ai fouillé au moins toute la zone. Ah, allez, on arrive en ville enfin. Bon, ça veut dire que c'est habitable, il y a des rats. C'est-à-dire qu'elle est à bouffer. Ah merde, c'est pas fini. Ouais. Non, 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 non. En recharge. Comment je me suis fait serrer? Je savais pas que je touche même le premier câble alors qu'il était pas, il y avait pas d'électricité. Ça, bon, ça, je vais le faire vite fait. Ah, quoi que j'ai pas besoin. Ça va pas s'emmerder. Ça a rien de passer par là. C'est hyper dangereux en plus. On va revenir là. Non! Ah putain. Ça, apparemment, on peut... pour l'instant, il n'y a pas de dégâts de chute. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de dégâts de chute. Ceux de Birmanie, c'est ceux qui sont. C'est ceux qui ont un poil gris, c'est ça, non? Il y a un gros poil gris, là. Enfin, argenté. C'est ça? Il y a les circuits de données. Je peux utiliser. Tac, 50 XP. Enfin, peut-être que je les garde parce qu'à un moment donné, j'ai peur qu'un mec me dise, oh, en fait, il me faudrait 5 circuits. Je suis comme un con. Ouais, de toute façon, là-bas, il n'y a rien à prendre. Pas besoin de me recharger. Ah, ils sont comme ça. Ouais. Oh, ok, je vois. D'accord. Je confonds avec un autre. D'accord. Ouais, je pouvais pas passer. Hein. Faut de l'électricité ou faut faire un truc, mais. Bonjour! Crochetage niveau 2, ouais. Ah, je l'ai bientôt, mon crochetage niveau 2, t'inquiète. Tiens, d'ailleurs, j'en suis où là? D'accord, faut que j'attende le prochain level up. Là, je peux pas passer pour l'instant. Salut le chat! Ah, on peut grimper! Je suis déjà en train de foutre la merde. Y'a rien ici. Y a une scène de crime là. Y a des trucs de. Il y a des banderoles de police. Fix her up. Nothing but netrunners and cyberpunks. No help here. Go, stay, think. That must be Decker. You're Decker, right? I'm... Ah, you're late, I know. And you're just as sorry as last time. Now, you better start acting natural, because that guy behind you, I had never seen him before, and I sure don't trust how he's looking at you. He's looking now. I can take him. You can do what I say. Now, I don't know how you fried that CPD, Mary Jane, but it's toast. Come on back, we'll pick you out another. Come. Sure.
thanks. Out here. T'as le son des cinématiques est vachement fort par rapport au reste. Je peux même pas le régler ça. Tu voudrais te récupérer un renard ou un lynx? Un lynx, c'est compliqué. Hein. Un renard, peut-être encore plus. Alors c'est toi Dex, ouais c'est moi. Ah oui, il s'appelle Dex. D'accord, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Raycast. And trust me, if anyone else had sent you here, you'd have hit a locked door and a no way kid, I'm not interested. So don't go telling your classmates you found out where Grandpa Hellball lives. You lucked out on your guardian angel. Raycast called me. I'm your help. And right now that means I'm your out. Alors, à vous entendre, Raycast est vraiment important. Qui est-il? Qui en a après moi? J'ai failli me faire tuer là-bas. Pourquoi accepter de m'aider? Vous avez une dette envers ce Raycast? You don't know who Raycast is? Listen, Raycast was behind some of the biggest leaks and scandals of the past 15 years. Not a corner of the grid has kept him out. If any one person is the hacker movement, it's him. D'accord, donc c'est un hacker. Some say they've met him, but they're trolls or tales, every last one of them. No one has. Raycast meets you, and most times, you don't even know about it. Qui en a après moi? Ouais, c'est toujours la même question. Bon. If Raycast is involved and wants my help, you can bet your bottom credit you got the complex on your back. You don't know what I'm talking about, do you? Okay. The complex is an off-the-books organization, the click of all clicks. Pick a megacorp, Samio. Armagear, Trust DNG, all have a tie to the complex. Boards of directors, subsidiaries, shareholders, you name it. You won't find a politician so much as cross the street without the complex giving a walk sign. But who are they? No one knows. And that's where the hackers come in. Digging for faces, looking to expose. But the complex is protected with a capital pro. Pissed off the wrong guys, kid. Oui, ouais, une erreur, je suis personne. Oui, parce que c'est comme si ouais, son existence, ou en tout cas, comme si elle aurait hacké quelque chose et ça leur a pas plu, quoi. Pourquoi accepter de m'aider? Vous avez une dette envers ce Raycast, je vous demande. I don't owe him. I don't even know him. At least not personally. No one does. Every underground ticker from here to Escrow Jack knows what he can do. When Raycast reaches out to you, there's something big going on. You can bet on it. And let's just say I have my own. Il doit y avoir une erreur et je ne suis personne. Crooked, ruthless, yeah. Mistakes, not their game. If you're targeted, you ain't nobody. Wait, hear that? Nothing, that's my point. Bar's dead silent. You gotta run. Oh putain, le bar est déjà, est déjà cerné. L'immeuble donc avec le chat porte-bonheur chinois, d'accord, ok, on va aller voir Tony. Ça te dérange? Ah non, j'ai pas besoin d'utiliser ton medikit en plus. Je suis au fond. Et si je reviens dans le bar, il se passe quoi? Ah merde, je peux pas sauver. Je suppose que j'ai pas droit. Tu disais ton voisin avait un lynx? C'est ouf. C'est-à-dire qu'il a une cage adaptée à lui, non? Parce que je ne sais pas si c'est autorisé comme ça. Mais que ça reste un animal considéré comme un animal sauvage. Ouais. Merde. Mais vas-y. Tiens. On va dézoomer. Ouais. Essayer de choper le mec là, qui est en haut. Oh là, il a une zille là celui qui est tout en haut.
Mais j'ai vu qu'on pouvait vraiment les avoir ceux-là. Merde, je les vois plus. Ah, il y a une espèce d'ombre à cause des objets. Voilà. En toute discrétion. Ouais, putain. Non, non, non. Non, je veux juste, voilà, fouiller. Ok. Ah d'accord, donc là il y a une passerelle, d'accord. Putain, faut bien observer, hein. Arrête de te poser des questions, casse-toi. Tu m'as pas vu. T'as pas vu les mains qui se suspendaient au bord de la plateforme? Attends, il va rester là ou quoi là? Merde. Attends, je vais sauter. Bon, il arrête de se poser des questions. J'ai l'impression qu'en bas il y a encore une chef de gang là. J'espère que c'est pas sa sœur là. Ça a l'air d'être le même groupe quand même. J'étais jeune, j'ai pas eu tous les détails, mais il faut avoir une autorisation bien dure à avoir, tu m'étonnes. Tu peux pas prendre un lynx qui a la capacité de vivre à l'état sauvage déjà. Ouais, bien sûr. De même pour un renard, le problème c'est qu'en plus les renards sont très protégés, donc ça va pas être simple d'en avoir un. Vu que normalement ils sont censés pas appartenir à quelqu'un. Ce sont des animaux sauvages. Et le renard, je sais qu'en France c'est très protégé. Par exemple. Putain, j'ai pris 50 dégâts dans mes chicos là. Je recharge. On peut prendre des dégâts du coup en sautant de haut. On n'est pas Superman. À ce niveau là. Donc on va descendre à la régulière comme ça. Et est-ce que je peux. Ouais, je peux. Merde, ça me voit déjà. J'ai pas pour aller surprendre. Hein. Il faudrait mieux que je les évite pour l'instant. Parce que s'ils viennent à deux. Oh, on va tester, hein. Allez. Je suis joueur là. Ah merde, il vient l'autre. Non mais. Faut aller dans le même temps là. Merde, c'est un crochetage. Non. Merde, putain. C'est une charge. Ouf. J'ai gagné un level up. Ah, donc j'ai le crochetage maintenant. Pour piqûre, d'accord. Par contre, j'ai pris des dégâts. Ah, c'est 100, ça redonne 100 de barre de vie. C'est pas mal. Pour l'instant, ça va. J'ai encore de la barre de vie. Donc là, je peux avoir mon crochetage max. Bah, c'est parti. Voilà. Crochetage à fond. Les lynx, c'est encore plus rare, il me semble, en tout cas, pour certaines des races. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que, bon, les lynx, nous, on n'en a pas vraiment. Donc c'est pour ça que je disais plutôt les renards en France. En Suisse, vous devez avoir des lynx, vu que vous avez pas mal de territoires verdoyants. Je sais pas si vous avez beaucoup de forêts, je suppose que oui. De bois et de forêts, donc... C'est surtout, normalement, c'est les forêts et les lynx. C'est même pas les bois, donc. C'est surtout, ça joue surtout à ce niveau-là. Ouais. Eh bien, on va sauvegarder. Parce que je risque de prendre une branlée. Putain, mais il est énorme le mec là. J'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres.
Est-ce que je peux les éviter? Pas sûr. Merde. Wouah. C'est le mauvais plan ça. C'est le mec avec l'usine là. Et je vais le bourriner. Wouah, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je l'ai mis. Shit, where's this place? This has gotta be it. People don't come here. You Tony? Decker said you had a place to hide out. I'm here to hide out. Decker? Look, if you're in trouble, I don't want any part of it, okay? I'm in more than just trouble. Tony, please. Decker said you'd help. Oh, man. Can't a guy run a racket in peace? Okay, okay. We'll talk. Just talk. Ah, c'est dommage qu'on peut, qu'on puisse pas régler le son des cinématiques. Where is that grain grid runner anyway? And why didn't he flag me himself? Je crois pas qu'il ait survécu. Oui, c'est possible, on a été attaqué. J'en sais rien, les morts passent, pas de coup de fil. Les quais restaient derrière moi, il a pu se passer n'importe quoi. Attacked? By who? Okay, would you just follow the way out signs, please? I'm a solutions guy here, not some knighting shining Kevlar. Damn girl, what have you been followed? Et bah juste à compter Raycast, s'il vous plaît, il saura quoi faire. Raycast? You know Raycast? You're tickling with my gully balls. Who in Chili Chow Mein are you? Tony! Open up! It's Decker, let me in! We made it. Should be safe here for now. No one ducks radar as good as Tony. Quack. Comment as-tu réussi à t'échapper des fixeurs? Enfin, de fixeurs, hop. Comment connais-tu Tony? On peut lui faire confiance. Comment contacter ce Raycast? T'as des conseils à me donner? Je reviendrai plus tard. D'accord, donc après, c'est une espèce de base ici, non? C'est une planque. Not my first rodeo, kid. I was jumping busts for years as a hacker. Tu étais un hacker, ouais. C'est quoi Fixer Hop au juste? J'ai du mal à t'imaginer un propriétaire de bar, c'est sûr. What? Cause I still shower? Give me another year and I'll blend right in. Look, I built a network of compadres back in my hacker days, and one day I opened a joint for them. Nothing more to it. Then every hacktivist and cypherpunk in the city barreled in like it was a Samio firewall. Flesh meats, trades. Name it. Quick became the kind of hangout the complex don't much appreciate. My people ain't short on thinking, all right? I keep illegals to a minimum, and any speak going on is as hushed as a CIP case file. J'arrive toujours pas à me convaincre comment tu es arrivé là-bas, là, ici. Ouais. Tu étais un hacker et puis maintenant. You know what they say. If you ain't got ideals as a kid, you're missing a heart. But if you still got them as an old timer, you're missing a brain. I took a step back is all. Leave the rodeos to the young blood. I opened Fixer's Hope. Made my help from the sideline. D'accord. Il s'est passé quelque chose pour que tu prennes ta retraite. Alors tu as abandonné ton combat contre le complexe. Jeez. Shouldn't we talking about how to save your ass right now? Peut-être il questionne sur son passé, le pauvre, tu le connais depuis deux minutes. Ouais, je t'ai dit, en France, hein, y a pratiquement pas de lynx. J'arrive toujours pas à comprendre comment tu es arrivé là-bas, ici. Ah oui, il y en a encore. Qu'est-ce qu'on lui dit? On continue à le questionner. Yeah. Fixer's Hope ain't gonna be reopening anytime soon. I need to lay low. Complex don't like it when bust comes to fail. It's not just you, they'll be after now. Attends, il est dans la merde, c'est sûr. Ils vont pas le lâcher là. Il peut plus revenir à son bar, à mon avis.
was dumb of me to think I could just step out of the game. I was always gonna get the recall someday. If it hadn't been you, it would have been somebody else. J'ai toujours pas à comprendre. Ah, et du coup, est-ce qu'on lui... Ouais, bon, on va lui poser la dernière question. Comment as-tu réussi à t'enfuir ? If you don't trust me, kid, come right out and say it. I was prepared, all right? I knew this day was coming. Just thought it would be my ass they were after. Ok. Sure. What else you need to know, Blue? Or are we done gabbing? Alors, comment connais-tu Tony ? Don't worry about Tony. I've known him for years. We ran ops together. He was a regular at Fixer's Hope. He's only there from here. Guess it'll just be here now. Mec, il sortira plus de chez lui. Mec, il est vachement prudent. Alors, comment contacter Raycast? What do you mean? You're the Raycast connect here. You have the cyberspace me. Just jack back in there and show me your net. What's this? This ain't a jack. La touche, c'est mon col plaqué. Comment ça, un connecteur? Neck plate? You're wearing freaking ornaments? We're not on a catwalk here, sister. How the hell can you not have a jack? How did you plug into the network? Hey, hey, comment es-tu rentré dans le réseau sans connexion? Je comprends ce que tu racontes, d'accord. Tout ce que je sais, c'est que j'étais dans mon lit et d'un coup mon esprit s'est retrouvé entré je ne sais où pour parler à Raycast. What are you talking about? Without a jack, you ain't jacking in. Now, I don't know how you were in C-Space, but if you can't flag Raycast, we're gonna need a way to do it ourselves. But Raycast isn't exactly in the telephone book. He comes to you. I sure hope he's not done with you, kid. Tony, can you put a beacon out for Raycast without the complex tracing it? Is that doubt in your tone? You need to be changing up your tonality, because Tony's been slipping across the ice more than a penguin in slippers. Yes! I mean, yes, I can get Raycast a message. Oh! Why? We got contact! It's Raycast! No doubt about it! It's his crypt sig! How's my hair? You're wearing a hat. Oh, yeah. Hello again, excellent. Dex. It pleases me to see you alive. And hello to you, Decker. You proved me right in entrusting her to you. Glad to hear that. So it looks like I just lost my livelihood. Ouais, tu m'étonnes, le mec, il peut plus gagner d'argent. There had been another way, Decker. But please trust me when I say this is worth it. Now our timeline is short. We must make haste. Dex, I need to show you how to enter cyberspace. Cyberspace, ouais. Bah vas-y. Pas trop tôt. Je commençais à me sentir comme une entrée sur un menu de dessert. D'accord, ok. Là, tout de suite. Je vais peindre ces trucs dans ma nuque. You don't need to. You are different. I will lead you into cyberspace this time. But you will need to learn to connect yourself. Now, relax and remove your mind. Think only of elevation and detachment. Yes. Do you feel that wall? Focus on it. Open it. Physiquement, sûrement. S'il existe physiquement, il apparaît comme comme il veut bien apparaître en fait. Il est en panique, Tony. C'est de l'hypnose son truc. L3. Des virus vont attaquer. Ouais, son avatar est chelou. You understand now, Dex? Could you repeat that experience alone? You must have some opportunity to practice. I'll do my best. But now, I have knowledge for you. No doubt you wonder where this power of yours came from. You have heard of Kether, have you not?
Non, j'ai jamais entendu parler de caisseur. Où je devrais. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Then listen carefully. Kether is the most advanced AI ever created. The only being that can be instantaneously aware of the entire activity of the world's cyber network. Every message, every transaction, every connection Kether sees, feels. Kether is omniscience, and you, Dex, are its seed. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi une intelligence artificielle et pas un être humain? C'est quoi ce délire? Whoa there, Raycast. Can't just go around saying stuff like that. Haven't you got a clear feed? It's a kid you're talking to here. Tu veux bien arrêter de me traiter comme une gamine? She needs to get somewhere safe, and you're going on like she's some kind of messiah. Feeding her with avatar fairy tales isn't helping her, and it sure as hell isn't helping me help her. You need to trust me, Decker. My only concern is her life, and no one is better placed than I to know how to preserve it. C'est bon, s'il vous plaît, continuez. The complex want you dead, but for Kether's sake, you must stay alive. Mais qu'est-ce que je m'en fous de Kaiser? L'IA la plus avancée du monde. What about for her own sake? Look, Raycast, if they're after her, we're going to need some help on the ground. Get prepared for what is ahead of you, Dex. Become able to defend yourself. Train. Practice in cyberspace. Decker will help you. We will speak again soon. Ah, c'est vrai, l'expériment Lane. J'ai jamais regardé. C'était tellement bizarre, cette série-là. Enfin, cet animé-là. Il faudrait qu'un jour je l'ai oublié, ce Lane. Ça passait sur Canal+ à l'époque. Ils avaient acheté les droits en français. Ça a l'air space. Hein. We need more Raycast. Raycast. Damn it. He's got us on a string here. He didn't even say hi to me. Dex, we need to talk. Je te le fais pas dire. La VF, elle est pas mal, hein. Enfin, les. Il y a quelques trucs un peu chelous, mais c'est marrant. Alors, c'est quoi ce Kaiser? Comment ça je dois me préparer? Qu'est-ce que je dois faire? Raycast a dit que tu m'apprendrais le cyberespace. T'as des conseils à me donner? Look, Kether's real, but all that other stuff, that seed, avatar stuff, just forget it, alright? Ain't nothing but hacker myths and urban legends. D'accord. C'est des mythes de hacker. She did connect to C-Space without a jack, Decker. Not you as well. Will everybody keep their feet on the ground here? Just saying. Look, I'll tell you the facts. Kether's real. Complex created it. A distributed network program capable of unsupervised learning. They built it to monitor every node in the whole grid. And by tapping into the processors of each server it accessed, it had infinite computation resources. But during Charlie tests, Complex screwed up. Oh putain, ça pue leur truc, genre les mecs ils créent l'IA la plus avancée du monde qui peut bouffer le reste, tu sais. C'est Terminator quoi. C'est l'histoire de Terminator ça. Tu n'es pas un software, tu es un hardware. Popopo, c'est ça. Non mais on sait pas en fait. Peut-être que ouais, peut-être qu'elle est à moitié, bah ça peut être une cyborg. Hein. Pas forcément un robot ou pas forcément un androïde en tout cas. Kaiser a développé une conscience. Oh putain, il est devenu une conscience. Ah ça c'est dans Lane. D'accord. Bah là c'est un peu le même délire. Ok, et ensuite. Then we were this close to an anarchist Eden. An AI seeing everything boil to nothing. It wouldn't have been programmers dealing with Kether, it would have been politicians. How do you blackmail an AI if you don't have nobody doing the desiring, no family to be protecting? How do you bribe? We were this close to shaking up the entire system from the top down. Anything would have been possible. But the complex, they had an ace up their sleeve. Failsafe, just in case Kether got out of control. Parallel program called the GSV, Grid Security Virus. They unleashed GSV to contain it. GSV wasn't perfect, but it was enough. The two AIs,
Kether and GSV. They went at it. Remember Black Monday? And the whole grid crashed? Them. Slugging it out. Neutralization and recovery. Then, attrition. Finally stalemate. Both pinned. Both contained. Kether is still there. Everywhere. But it can't operate. Not till someone breaks the GSV deadlock. D'accord. C'est intéressant, hein? Du coup, ils ont créé un virus pour contenir l'IA qui maîtrisait plus les mecs. Alors, Erecast pense que ce quelqu'un, c'est moi, c'est ça? Je vois toujours pas ce que tout ça a à voir avec moi. Seems so. But look, this is just fairy tales now. Raycast says you're the avatar of Kether. Man, I feel like a chump just saying that word. The story goes like this. Kether had just seconds in C-Space before GSV was set loose. But seconds were enough. It selected a human for backup, integrating part of itself, a seed, into an organic network, a brain, a human brain. Oh my god, elle est même pas robotisée, c'est juste qu'il était capable avec les signaux électriques de s'implanter dans son cerveau, l'IA. Oh la vache. Seems there are a bunch of people who think you do. And I've never seen anyone connect to C-Space without a jack. Ah, c'est bon, on a compris. T here thinks you do. But all I care about is keeping you alive. And that means out of the complex of sites. Comment ça, je dois me préparer? Ouais, donc ça, c'était la première question. Bon, on va voir. Time for the Borgs and the Bees chat. Okay, listen, kid. The moment you came into my joint with a complex on your tail, there was only one way you were going to stay breathing. Street, in cyberspace, wherever, you're gonna need a level of hell up or you're going down. Ouais, c'est ça, donc for XP. Can I just add that as much as you're welcome here, you can't stay here all that long. What? I'm sorry, but it's my ass. Dex, you're gonna need to get augmented. It's the only way the rest of you is gonna stay alive. Augmenté, tu veux dire des implants? De la nanotechnologie, il doit bien y avoir une autre solution, non? L'anti-nano. Pas question, je vais pas devenir une cyborg. Bah quoi, c'est cool le cyborg? À vrai dire, j'ai toujours eu envie d'avoir des implants. C'est juste pas donné. Well, where there's a will, you've sure got a lot of that. Look, it'll cost less than you think. I know a guy, doctor, he owes me. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance et me faire opérer. Go to Dr. Niles. You can find his clinic near the Chinese gate, not far from here. Tell him you need a neuro weave. With that installed, you can take on any implant you need. D'accord, donc le docteur Niels. C'est qui ce Niels? Comment on peut être sûr qu'il me vendra pas? Le clinique, ça a pas l'air très discret. Niles is no saint. I'd stay awake for the ops. But he is on the wrong side of the system. That's the right side. Je te conseille de faire gaffe en opération. Ouais, ouais, ça va être dur. Hein. Si, mais ma anesthésie. Raycast t'a dit que tu m'apprendrais le cyberespace. Blue, I'll be honest. I have no clue how you connected. We all need a jack. What you did back there with Raycast, that was nothing I've ever seen before. But if you can get in, I can show you around. Ouais, je vais voir le docteur pour qu'il modifie en rose, t'as raison. Mais c'est peut-être possible, hein. C'est pas, hein. I know. Just hack Tony's farm. Excuse me? I'm not having some green slave wandering around the tea farm. No offense. Your network is secure, T. She'll learn to run safely, hack a couple of nodes. You can choose them. Come on, man. It's the ideal setup. I'll keep her on track. Fine, fine. But I'll be jacked in too. Don't get messy in there, alright? And stay out of the huge but natural subdirectory if you don't mind. C'est quoi le sous-dossier énorme mais naturel? J'ai envie de voir ça là. Ok, voyons en ce dont je suis capable. Cetos, viruses, don't let them get to you. Wow. Ouais, c'est un jeu de shoot carrément. Ça fait rien quand je retire dessus? Destroy the firewalls and proceed. They're tough, so you might want to
Ah d'accord, faut s'appuyer. Quoi? Ah merde, je touchais le bord, c'est ça? Merde. Not bad, but you're not there yet, kid. Wanna give it another shot? Laisse mon garde et tout. Ouais, vas-y, on recommence. She's got the itch already. Fine. Have another shot at the team fortress. Fortress. Do your okay. Worst. Je peux pas péter les. Ah si, on peut les péter. Ok. Oh, on peut envoyer. Ah, on peut envoyer un coup plus fort. D'accord. Et du coup, ça recharge la flèche. Putain, ça devient un jeu de shoot maintenant. Excellent. Que j'en pète un sur deux. Ouais, je les pique de l'argent, excellent. 50 de concentration. Ah d'accord, c'est sur la droite. Pourquoi? C'est quoi là? C'est ma barre de vie, la concentration? Viens les donner. Confirmation de votre inscription de employé LN, Tony. Cher monsieur Tony l'abonné, nous vous remercions d'avoir souscrit un abonnement de 5 ans pour la version ligne de Gros et Naturel. Veuillez cliquer ici pour activer votre compte instantanément. En tant qu'abonné premium, vous pouvez télécharger toutes nos vidéos 2D vers vos propres appareils pour un accès facile. Les vidéos 3D ne sont accessibles qu'en streaming. Merci pour votre soutien et contribution à notre publication et à nos modèles. Amusez-vous bien. Sincèrement, Tori Lang, PDG des publications prétypées. Merde, attends. Je vais essayer d'accéder là-bas. Wouah, lâche-moi. Reste tendu. Pas que je me fasse repérer là. Je l'arnaque là. Je suis en dehors de sa vision. Péter ton expérience sur Danmaku. Merde, attends, je te lis et je me fais péter les fesses. Waouh, waouh, au secours. Waouh. Je vais bien récupérer le fric, mais je veux pas mourir. Le con. Oh, ça fait très très mal de toucher là, les barrières de sécurité. On va essayer de... Mais il me poursuit ce con. Ah, on peut péter les missiles. Ok. Ah, si l'XP est cool. Mais les tourelles sont bien vénères. Ouais, ouais. C'était assez chouette, tourelles là. Là, c'est bleu. Qu'est-ce que ça veut dire, bleu? Ralentissent. Ah! C'est ça là qui me ralentit? Ah, je peux pas y péter, d'accord. Genre, il y a un trou noir dans les données. What? Slick work, Blue. You're a natural. She can call herself a hacker now, wouldn't she say, T? Welcome to the club, kid. Eh ouais, mec, je suis un hacker.
Ouais, je pense que c'est sûrement le truc rouge qui m'a foncé dessus, ouais. Ouais. Là, je suis à la fin. Je continuerai l'escalier que je cours. Comment améliorer encore? That's where the augmentations come in handy. Some implants boost your reflexes, give you more connection time, stuff like that. You really gotta be thinking about upgrades, Blue. Ah, mais j'y pense en fait, comme j'ai pas d'implant pour l'instant et qu'elle est 100% humaine, c'est pour ça que je pouvais pas en théorie pirater. J'avais pas la colonne piratage activée. Bon, en tout cas, ça va pas le faire. OK. Du coup, j'ai repéré l'ascenseur, c'est ça. Utiliser recharge de concentration. Ah ouais, là-haut. Ça se recharge, ouais, ça se recharge. Les pilules, d'accord. Ouais, c'est sûr que si le mec il a que des ordinateurs et juste un lit, ça va être très dur de, de tous dormir ici. Je pense qu'il a un point d'interrogation sur la tête tant que j'ai pas épuisé tous ces dialogues. Alors, où puis-je acheter des armes? Ça, c'est sûr. There are a couple of good packing shops. Hank's ain't far from here, near the Chinese gate. The place doesn't look much, but nobody knows more than him about firepower. Then you've got everyday guns for more fancy pieces. Downtown, near my friend Sam's store. Sa copine Sam? C'est qui ta copine Sam? Quel meilleur endroit pour acheter de l'équipement en tout genre? Downtown, there's a general store an old friend of mine runs, Sam. Food, drink, meds, first aid kits. You dream it, Sam's got it. D'accord. All right. C'est marrant qu'il y ait toujours le point d'interrogation. Ah, d'accord, c'est dire juste que je peux lui parler. D'accord, donc le point d'exclamation, c'est pour dire que tu es un personnage à qui tu peux parler. T'as le mec qui s'est TP devant moi. Il fait peur. Ah, je connais pas mal les égouts, tu m'étonnes. D'accord, donc c'est ici, chez Tony. Petite sauvegarde. Je fais une petite pause de 5 minutes. Oui, j'ai un décalage d'une heure. Et donc là, on vient d'apprendre. Je fais le résumé très court. Ouais, c'est tout pixelisé. Non, mais c'est beau quand même, hein. C'est dessiné et tout. Moi, je trouve que ça a du charme, quoi. Et, ouah, putain de ta mère. Alors, on va se calmer tout de suite, là. Ça commence fort. Ouais. On va lui péter sa gueule. Putain. Bon, on se casse. Ah merde, j'ai acheté une boisson, j'ai claqué 20 thunes, enfoiré. C'est de votre faute. Ils ont l'air costauds. Wow. Faut pas se prendre de patates devant. Ils ont l'air super costauds. Attends, je vais essayer pour voir. Ouais, non, ça va, ça passe. Sauf quand il fait ça. Ça, faut que j'esquive. Tiens, dans les nuts. Oh putain, 25. Tiens, dans tes cybernotes. Yes. Ouf. Oh la vache. Attends voir, tu t'achètes un micro. Tu fais un jeu pas low cost. Tu serais pas de passer du côté obscur. Non, jamais. Jamais je ne passerai du côté obscur. De toute façon, je m'en fous quoi, je streamerai toujours ce que je veux quoi. C'est vrai que du coup, pour le coup, je suis un peu moins low cost au niveau sonore. Mais de toute façon, tant que j'aurai pas une bonne connexion, je resterai low cost. Hein. Dans l'âme et dans la pratique aussi. Ok.
Et donc juste pour finir, pour final boss, l'héros, il y a quoi? Il a les cheveux bleus. C'est une femme l'héros. Bah je sais pas. Écoute, t'as les cheveux bleus, hein. C'est cyberpunk, hein. Tout est permis. Hein. Elle peut avoir les cheveux bleus génétiquement, hein. Même carrément. Et en gros, elle vient d'apprendre que... Enfin, elle s'est fait agresser chez elle. Du coup, elle s'enfuit. Et elle vient d'apprendre en plus qu'elle a elle a hérité d'une entité artificielle qui s'est greffée carrément dans son cerveau. Par l'intermédiaire des synapses, carrément. Par le système électrique du cerveau. Donc elle a en elle la possibilité en fait de hacker sans être connectée avec un câble. Là, on peut hacker par exemple. Je passe en mode hack. Bon, je viens de commencer donc je sais pas trop ce que je peux faire ou pas. Je pense que ça, c'est un ennemi. Ouais, c'est un ennemi, mais il est pas rouge. Il va peut-être s'exciter si je hack. Si je hack un truc. Bon, en tout cas, là j'ai pas hacké, mais en gros, tu peux hacker, tu peux faire pas mal de trucs, t'as des compétences, c'est un vrai RPG. Avec beaucoup de dialogue. En fait, c'est Black Widow version bleue. C'est qui Black Widow? Ça me dit quelque chose, Black Widow? On va voir des jeux sur émulateur en fait. Oui, là, on va voir un médecin pour tenter de devenir rousse, c'est ça. Ça, c'est notre objectif personnel. Ah, j'ai pris un avis de disparition. Du coup, c'est une quête? Comment je vois ça, les quêtes? Ah non, je sais pas, ça doit être dans mes... Attendez. Ça doit être dans les objets. Ah ouais. Disparition de Shang Xianglong. Mais dans le quartier chinois. Contacter Shun Tao. À... C'est quoi? C'est à Tao ou à Talio? Moi aussi, je paniquerais si j'avais perdu toute trace d'un mec aussi mignon. Indique de contacter Shun Tan au restaurant chinois de Taizhou. D'accord, c'est Taizhou. Quand les virus sont bleus, ils ne t'attaquent pas apparemment. Bah oui, apparemment, ils m'attaquent pas, ouais. Black Widow, ça me dit quelque chose, je sais plus dans quoi c'est. Alors, attendez, on est des ruelles. Donc, je sais pas, on va rentrer en avant. Restaurant chinois. Pour le faire mourir, d'accord, ok. C'est dans un manga? C'est un virus gentil, virus bleu, c'est ça. Ah, bah du coup, regardez. Qui est la personne sur cette affiche? C'est écrit que vous offrez une récompense. Du coup, le fait d'avoir ramassé la fiche m'a ouvert une quête. Merci pour le host, Casimari. En quoi a-t-il changé? Alors, vous savez où vous trouvez cette Lily? Un jeune homme ne peut pas s'amuser, il est juste amoureux, c'est tout. Une idée, oui, Lily. Maybe she'll know where to find Shen, or at least Lily.
Bah oui, c'est normal, le final boss, sinon ça serait pas drôle si on n'était pas l'élu. Faudrait un RPG où en fait on n'est pas l'élu, on est juste un. Bah je crois qu'il y a des RPG comme ça où tu dois juste jouer un rôle, genre un métier où t'es pas le héros. J'ai fait toute ma ludothèque rétro Xbox 360. Bah c'était rapide, Kazumari. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Désolé, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Bah bon, aussi, on va essayer. Ok. Donc il faut trouver une certaine Charlène. D'accord. Je peux pas passer. Roulade.